Pendant les circonstances, à place là. Dans le fouet, le Cameroun et les Nations Unies. Après. Israël et la Chine. La Suisse, les États-Unis. Avant de parcourir, représentant départemental du Haut Commissariat d'intervention générale dans le bout du processus de Cameroun. Représentant départemental du Haut Commissariat d'intervention générale. Dans la mouche de la formation au centre Cameroun. Distingués invités à vos rangs respectifs. En ma qualité de représentant régional du Haut Commissariat d'intervention générale pour le centre Cameroun, maire et son matière, élevé au rang d'officier humanitaire supérieur, au grade d'administrateur principal, et par ailleurs, expert criminel assermenté, je déclare ouvert la cérémonie d'installation du représentant de l'entreprise d'antenne de Bankomo, ainsi, vu la résolution 217A, petit 3, de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 10 décembre 1948, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies, vu la ratification des traités internationaux par l'État du Cameroun, vu la Constitution de la République du Cameroun, vu la création du Haut Commissariat d'intervention générale en 1998, vu le récépissé des déclarations numéro 081-DA-JO5-DAPP, portant déclaration du Haut Commissaire d'intervention générale du Cameroun, vu les statuts du Haut Commissaire d'intervention générale du Haut Commissaire d'intervention générale, vu la décision numéro 00, vu la décision numéro 00/305, assis, 2014, portant nomination du représentant régional du Haut Commissariat d'intervention générale pour le centre au Cameroun du 10 décembre 2014 à Yaoundé. Vu la décision numéro 36-214, portant installation du représentant régional du HACI-CHAN à la tribune des fêtes de Bankomo. Vu la décision numéro 025-SHTG-23, portant nomination du représentant départemental du HACI d'Amour-Poakono pour le centre au Cameroun. Vu les dispositions numéro 00587-L-9-DAP-16S du 1er mars 2006, portant validation des uniformes et grades du Haut Commissariat d'intervention générale
considérant les nécessités de service. Vu la résolution, vu la décision numéro 011-FACG-24 portant nomination du chef d'antenne, ainsi que l'avancement de Marcomo pour la mort sur la colonne. Vu la résolution 217 de l'Assemblée générale des Nations Unies, vu les dispositions d'installation de la représentants de chef d'antenne de Marcomo, article 1er, est pour compter de la date de signature de la présente décision, nommé chef d'antenne assis dans l'investissement de Marcomo au département de l'amour pour la au centre du Cameroun, l'officier humanitaire à majesté Bonfri Amadou, né au 13 avril 1972 à Mexico. Par ailleurs, chef traditionnel du 3e degré représentant de la communauté anglophone dans le département de l'amour sur la colonne. L'intéressé aura droit aux avantages de tout nature prévu par le Haut-Commissariat de l'Observation Générale. Exercera ses fonctions pour le chef de l'équipe et l'ombudsman manifeste en bas de sa position. Mesdames et messieurs, le Haut-Commissariat de l'Observation Générale en abrégé ASIC instant en ce jour, 26 janvier 2024, l'officier humanitaire, bon Christian Amadi, au cours de représentant, assis le bancon au coup à mot sur la colonne, dont le siège se situe ici. Le Haut-Commissariat d'intervention durable en abrégé assis est une organisation humanitaire de défense des droits universels fondamentaux de l'homme. L'OASIC est donc une organisation de la société civile fondée conformément aux dispositions réglementaires. Comme je venais de le dire à l'ensemble de mon propos, l'OASIC a pour tutelle le ministère de l'administration territoriale, l'INAT. L'OASIC est fondée le 21 décembre 1998 dans la région du Centre, au Cameroun, et a pour objectif principal de rechercher et diffuser toutes les informations nécessaires à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De veiller au déroulement dans les formes régulières des procès et des sanctions. Les missions en matière d'intervention de l'OASIC a pour mission de participer aux enquêtes et inspections pour les justes causes, de dénoncer tout acte portant atteinte aux droits et libertés fondamentales de la dignité humaine, d'assurer la protection des consommateurs et aider à la qualité des aliments, des poissons et des cosmétiques sans exception aucune. De participer aux côtés des pouvoirs publics aux opérations de secours en cas de crise, de catastrophe et de calamité. De contrôler toutes les conditions de garde à vue dans les commissariats et gendarmeries. De contrôler toutes les conditions de détention préventive des détenus dans les prisons. De rédiger et de suivre toutes les procédures judiciaires en matière de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De sensibiliser et d'éduquer toutes les populations sur leurs droits et devoirs. De participer activement à l'action mondiale contre la pauvreté. D'organiser des programmes de formation aux droits de l'homme. De vulgariser les droits de l'homme et faire campagne de non-ratification des traités relatifs à leur protection dans le monde. De contrôler et dénoncer toute faute en matière de prise, voies et mesures sur le marché. De publier des revues et tests des produits. De dénoncer tout abus de commerce lié à l'étiquetage, date de fabrication, qualité et nature des produits entrant dans la catégorie des denrées alimentaires périssables. De veiller et dénoncer toute contrefaçon liée aux boissons, telles que les bières, liqueurs, jus, vin et autres. De dénoncer toute sorte de déforestation et de pollution des eaux, mer, feu et rivières, pouvant mettre en péril la santé des populations.
de soutenir tous les États membres des Nations Unies dans l'action gouvernementale du développement durable et de participer actuellement à la lutte contre le changement climatique dans le monde. Désirer et dénoncer toute acte de violation liée à la flore, faune, pêche, placé comme vulnérable dans la liste rouge des espèces protégées dans le monde. Désirer et dénoncer tout acte lié au patrimoine de l'UNESCO et promouvoir sa politique dans chaque pays membre aux Nations Unies. Assister et secourir tous les sinistrés en situation d'urgence dans le monde. De participer à la promotion de la paix dans le monde. De veiller et dénoncer toute acte de violation liée à la politique interne et à la diplomatie de chaque pays membre aux Nations Unies. De collaborer avec toute personne morale ou physique poursuivant les mêmes buts. Les missions sont nombreuses dans la mesure où le WACI intervient par saisie ou sauto-saisie dans tous les domaines juridico-sociaux, économiques de la vie humaine, à savoir entre eux le domaine judiciaire, le domaine culturel, le domaine pénitentiaire, le domaine administratif, le domaine éducatif, le domaine social, le domaine santé, le domaine scientifique, le domaine humanitaire, le domaine maritime, le domaine religieux, le domaine industriel, le domaine agricole, le domaine économique, le domaine environnemental, le domaine foncier, le domaine politique, le domaine diplomatique et le domaine politique. Bref, tout ce qui relève de la vie humaine sans exception aucune, d'où le terme intervention générale. Monsieur Bansi Amadou. Monsieur Bansuka Amadou. Prenez votre emplacement. Bansuka Amadou, ici présent, est élevé au rang d'officier humanitaire au grade d'inspecteur. C'est un humanitaire depuis le longue date, parfois au sacrifice suprême. L'officier humanitaire Bansuka Amadou est né le 14 août 1972 dans le département du Nil. Marié, président de 4 femmes et père de plusieurs enfants et petits-fils. Il est chevalier du mérite camerounais. L'officier humanitaire Bansuka Amadou est chef de la communauté anglophone depuis plus de 30 ans. Ici, à Makomo. Population de Makomo, vous reconnaissez désormais l'officier humanitaire Bansuka Amadou comme celui-là qui va apporter une solution à tous vos problèmes de famille, dans les entreprises publiques et privées, dans l'administration, au litige foncier, à tous vos problèmes de ménage, bref, à vos problèmes qui relèvent de la vie humaine, sauf les problèmes financiers partis la tente de vous. Oui. L'officier humanitaire Bansuka Amadou reçoit mandat dès aujourd'hui 26 janvier 2024. Je vous défends en tout conformément à la Charte des Nations Unies ainsi qu'aux autres traités ratifiés par les en matière de droits de l'homme. Chaque fois qu'il pose un acte, l'officier humanitaire Bansuka Amadou devra agir au respect des institutions républicaines du Cameroun, ainsi qu'au respect de l'équipe et donc du personnel humanitaire de l'Haut-Commissaire de Joachim Durand qui encadre sa profession. Officier Bansuka Amadou, fais le commandement. Je le tiens. Je dis d'abord que je suis au docteur. Avant que je dise au docteur, comme je vous ai parlé, car si vous ne savez pas, qui m'a amené ici à Yaoundé.
J'espère que vous allez voir aujourd'hui. Si elle est venue tuer, vous allez voir. Si elle a bien tué, vous allez voir. Il a bien une autre, il a bien une. Ce n'est pas une autre, c'est un peu. Il faut s'élever, c'est le gars qui vient. Mes chers enfants, vous le voyez, c'est la part de mon oncle. Elle est la régionale de Chatou. Merci, maman. Et je dis merci. Je vous retourne dans mon dos, mon dieu, ma paix. Maintenant, on va voir son balance. Amis, quoi, moi aussi. C'est moi qui l'avais appelé. Comme enfant, je lui ai dit que lui il serait pas comme il est. Mais il est travailleur. Il est humain. Et je vous remercie de la voix. So let me speak English because I'm not my dear brother and sister, I'm so grateful. I want to thank the community of Bakongo. I want to thank all the people of Bakongo who love Abadi. I want even to thank the work to Balam who love you here in Bakongo. I just want to tell you that as you see like that, you have your eye open. Everywhere, love everybody, take care of everybody, so that your mission that is the delegate is of you. Thank you very much. Matunama! Ce que mes parents parlaient, c'est ce que mes chers ont dit souvent que quand vous venez à la GPI, dès que vous arrivez, vous allez me dire ce que vous avez voulu faire. Et quand ils vont partir, c'est à mon tour de te répondre. Je n'ai pas beaucoup de choses que de dire merci à la population qui sont venus. May God give you your wisdom. One way. Yeah.
both are Madam President.